Il paraît que les fantômes sont le résultat d'une mort violente, d'un décès tragique, ou d'un refus absolu et profond de mourir. Il paraît aussi que certains matériaux, comme la pierre ou le bois, captent et enregistrent ces moments, ces émotions et ces souffrances. De la même manière, on raconte que certains lieux s'imprègnent des événements douloureux et brutaux qui les traversent. Et que ces endroits restent marqués d'une manière ésotérique et spirituelle par notre présence et notre passage. Si tout cela était vrai, une ancienne place forte médiévale, faite de pierres et bâtie dans un lieu stratégique qui a connu quelques guerres et de nombreuses batailles, devrait être un de ces endroits chargés d'histoire, capables de conserver et de révéler de manière occulte les traces de son passé. C'est dans un de ces lieux que je vais mener cette nouvelle enquête. Nous pensons pouvoir tout comprendre et tout expliquer. Pourtant, notre réalité recèle bien des secrets et cache de nombreux mystères. De mes caméras et de mon matériel, je me déplace dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. J'en connais plusieurs qui pourraient pas rester là. Et je tente de capturer et de révéler les signes de l'existence de ces manifestations que les lois naturelles connues ou notre science ne peuvent pas toujours expliquer. On peut s'organiser comme on veut, à un moment, on n'est plus maître de quoi que ce soit. Je m'appelle Gus DX. Et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. Voilà où je me rends aujourd'hui pour enquêter. L'édifice en ruine que vous voyez en face de moi est une forteresse médiévale. Et donc c'est un voyage en plein cœur du Moyen-Âge que je vous propose aujourd'hui. Je suis actuellement en Gironde à nouveau. Dans une petite ville que vous connaissez déjà, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'enquêter à plusieurs reprises finalement dans cette commune. Une commune qui tient son nom justement de la forteresse du château qui est en face de moi actuellement. Je suis à Blanquefort, à nouveau. Il faut savoir que Blanquefort a un patrimoine historique d'une richesse incroyable, et ce château en est une nouvelle fois la démonstration. Blanquefort tient son nom de ces vieilles pierres qui sont en face de moi, parce que en fait ce château était fait de pierres blanches. Et donc ce château était, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais je dirais qu'à l'état d'origine, neuf, il était plutôt blanc, d'où le nom de Blanca Fortis, le fort blanc, Blanquefort. Donc pour se rendre jusqu'au château, jusqu'à cette forteresse, il faut emprunter ce sentier qui est juste en face de moi, qui va en fait passer... dans cette propriété, le château appartient aujourd'hui à une
un propriétaire terrien qui fait de l'agriculture, de l'élevage, notamment de l'élevage de bovins, les vaches qu'on voit là-bas. Pour venir ici, il faut être autorisé, il faut en avoir obtenu l'autorisation, c'est mon cas. On ne peut pas venir n'importe comment, n'importe quand, il y a un gardien, il y a une personne qui est, entre guillemets, entre autres choses, chargée de surveiller eh bien, l'accès à la forteresse et l'accès à toute cette zone maraîchère et de cette zone d'élevage qui est en face de moi. Au cœur de laquelle se trouve eh bien, la forteresse, que je vais tenter de rejoindre. Quand je dis je vais tenter, c'est que je vais devoir traverser le champ de vaches. J'ai pas peur des animaux, mais je suis pas habitué à me retrouver peut-être face à tout un troupeau. Alors juste là, c'est une jale. Les jales, ce sont ces petites rivières qui circulent sur le territoire ici et qui amènent l'eau nécessaire justement aux cultures. Il faut savoir que toute cette zone, avant, était une zone de marécage. Ça a été assaini, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, sous Napoléon. Mais à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque où a été construit ce château, donc au XIe siècle au début, puis 12e, 13e, 14e, 15e, ce château a évolué de siècle en siècle, il a été construit en plein cœur d'une vaste étendue marécageuse qui formait en fait une défense naturelle. La plupart des châteaux sont généralement construits sur des monticules, sont construits dans les hauteurs pour avoir une vue dominante. Ça, c'est ce qu'on appelle, cette forteresse, un château de plaine. C'est un château qui va profiter d'éléments de défense naturelle, comme un marécage en l'occurrence, pour ce château-là, pour être abrité. Je me rends compte que je suis pile poil sous un couloir aérien. C'est important de savoir que pas mal d'avions vont sans doute passer tout au long de cette enquête. Il fait très très chaud aujourd'hui, je crois qu'on est aux alentours de 32-33, là je suis en plein soleil, je cuis littéralement. Alors, vous allez voir, on va le découvrir ensemble, que cette forteresse est aujourd'hui en ruine. Elle est entretenue régulièrement par une association qui s'appelle Le Gable, qui viennent faire des travaux de restauration, en tout cas d'entretien, compliqués, parce que l'état du château est pas terrible, donc c'est évidemment compliqué de restaurer un tel édifice. Alors, apparemment, les vaches ne s'intéressent pas à moi pour le moment. Espérons que ça continue. Alors, je vais devoir passer cette grille assez barbelée. Essayer de pas me blesser avec le matériel que j'ai sur moi. Bon, apparemment, les vaches s'en foutent complètement que je sois là. Je vais remettre ça. En tout cas, je vais essayer. C'est chaud avec le matos que j'ai sur moi. Je sais pas si je vais y arriver. Quelle galère. Si, c'est bon. On va le redresser un peu. L'objectif là, c'est que les vaches ne s'échappent pas. Donc là, je suis avec elles. Apparemment, elles broutent et il fait peut-être trop chaud pour qu'elles aient envie de me rejoindre. Et donc, il faut imaginer que toute l'étendue qui est autour de nous, autour de moi, était une étendue marécageuse. Par ici se trouve la commune de Blanquefort, le village, on voit justement, je sais pas, par ici, le, par là, je sais, j'arrive pas bien à le cibler, je vois très très mal sur mes retours écran. On voit le clocher de l'église, donc le centre de la ville n'est pas très loin.
Et en fait, le château était vraiment à l'extérieur du village. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce château a été... ce que je vais retenir de son histoire, c'est qu'il a été au cœur de la guerre de Cent Ans. Il faut savoir qu'à une époque, l'Aquitaine d'aujourd'hui, à peu de choses près, pour faire un raccourci qui fera hurler les historiens, mais s'appelait la Guyenne, ressemblait, voilà, l'Aquitaine c'était la, on va dire la Guyenne, pas tout à fait, mais à peu près. C'était une portion de la France, du sud-ouest, qui a d'abord, il y a longtemps, appartenu aux Français, puis aux Anglais, puis à nouveau aux Français, mais tout ça a fait l'objet de nombreuses batailles, de nombreuses guerres, et ce château a appartenu tour à tour aux Français, puis aux Anglais, puis à nouveau aux Français. On peut imaginer que cet édifice défensif a été assez régulièrement au cœur de différentes batailles. Voilà l'entrée du château. Devant nous, c'est ce qu'on appelait le châtelet, je crois, d'entrée, châtelet de défense. L'endroit de toute façon par lequel on pouvait éventuellement entrer, un endroit extrêmement défendu. Et de la même façon, regardez, tout autour de nous, à perte de vue, se trouvait encore un peu ici des marais. On voit que c'est une zone encore un peu marécageuse. Mais c'est vrai que le château, j'imagine, depuis ses tours, donnait une vue imprenable sur l'horizon. Je voudrais vous le montrer de ce côté avant de rejoindre l'intérieur. Je vous cache pas le sentiment d'excitation et de... comment dire... J'ai pas le terme, je suis extrêmement honoré en fait d'être là. D'être seul ici, à pouvoir contempler, admirer et me retrouver face à ce vieux bâtiment, c'est du bonheur. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne vais pas vous dire que je suis un spécialiste en histoire de France, que je suis un amoureux des vieilles pierres, ce serait vous mentir, mais on ne peut pas rester insensible quand on est face à ce genre d'édifice qui a traversé comme ça les siècles et qui, même s'il se tient encore difficilement debout aujourd'hui, n'a rien perdu de sa magnificence. C'est tout simplement extrêmement impressionnant de se retrouver au pied d'un tel bâtiment, d'un tel monument. Il faut savoir que c'est un monument classé, un monument historique, évidemment. Je crois d'ailleurs qu'il fait partie des tout premiers, si ce n'est le premier, monument historique, enfin en tout cas déclaré en tant que tel, en France. Léon Drouin disait de la forteresse de Blanquefort qu'après avoir été l'une des places de guerre les plus importantes de Guyenne, elle en était désormais l'une des plus belles ruines. L'édifice est écorché et la pierre est usée, mais aujourd'hui encore, les propos de cet archéologue du 19e siècle caractérisent parfaitement les vestiges de l'ancienne place forte. Les remparts et les tours qui se dressent toujours au cœur de ces anciens marais sont un magnifique et authentique témoignage du passé, une empreinte historique à l'état brut. En découvrant la forteresse de Blanquefort, on contemple non seulement un héritage patrimonial, architectural et culturel exceptionnel, mais les ruines et le cadre naturel isolé et préservé qui les entoure nous plongent aussi immédiatement plusieurs siècles en arrière, en plein cœur du Moyen-Âge. Une période de notre histoire marquée par une multitude de bouleversements politiques, économiques et démographiques, qui furent bien souvent synonymes de troubles, de désordres, de guerres, de luttes de pouvoir, de trahison et de persécution. De par sa nature militaire et féodale, et de par sa position stratégique et géographique, le site médiéval de Blanquefort, qui fut au cœur de la guerre de Cent Ans et des famines et des épidémies de l'époque, est un vestige particulièrement représentatif de cette période chaotique et sombre. S'il existe bel et bien une mémoire des murs et des lieux, la forteresse pourrait peut-être avoir cristallisé dans ses pierres les événements
les émotions, les situations et les actes perpétrés en son sein. Bon, c'est parti. Alors, j'ai une clé que je vais devoir récupérer. J'espère que j'y ai pensé. On m'a confié la clé du château. Voilà la clé. Avec une fleur de lys. Symbole de la royauté française au Moyen-Âge et aussi symbole pendant la guerre de Cent Ans de la royauté anglaise. Allez, on va ouvrir. Allez, voilà. Ah, elle grince pas du tout. Ah. Allez, ouvre-toi, que je puisse passer. Me voilà à l'intérieur de l'enceinte de cette forteresse. Je vous cache pas mon émotion. Je vais la laisser fermer comme ça pour le moment. Je vais tenter d'imaginer tout au long de cette visite, et je vous invite à essayer de le faire, à essayer d'imaginer comment c'était à l'époque. Je vais essayer de mon côté de vous l'expliquer. Comment c'était il y a enfin, quelques siècles, donc au 13e, 14e. Et puis imaginez comment on pouvait vivre ici. Je vais poser, j'ai un trépied qui était fixé sur moi, je vais le poser là, ça va m'alléger un peu. Et je vais aussi poser mon sac. Allez. Donc je vous parlais du châtelet d'entrée. C'est cette partie hein, qui servait de poste de garde pour surveiller. J'imagine qu'il y avait un pont-levis. En fait, j'en sais rien, mais il n'y avait pas forcément ces grilles-là, elles ne sont pas d'époque. En tout cas, donc voilà, les premiers bâtiments. Aujourd'hui en ruine, certes, mais on devine encore assez bien les différents bâtiments. Bien entendu, on a quelques immeubles qui sont construits pas loin, qui doivent avoir une vue imprenable sur la forteresse. Ça, c'est une sacrée chance. Donc on a un mur d'enceinte tout autour. Je vais pas pouvoir aller partout car la plupart des zones sont soit en travaux, soit dangereuses, soit finalement inaccessibles. Par exemple, en face de moi, je ne prendrai pas de risque. Je n'ai pas non plus en tête l'exactitude de ce à quoi correspondait chaque espace, chaque pièce, chaque zone de cette forteresse. M'en veuillez pas. En tout cas, là, on peut remarquer qu'on a de magnifiques éléments architecturaux encore en place. Là, on a un élément un peu souterrain, mais dans lequel je ne vais pas pouvoir me rendre, j'imagine. Alors, là en face de nous, on voit qu'il y a plusieurs étages, plusieurs portes. Il y avait, si je ne dis pas de bêtises, 4 tours, peut-être 6. 1, 2, 3, 4. 4 tours assez hautes qui desservaient un bâtiment central sur, je crois, 4 étages. Donc on voit toutes ces portes là qui desservaient le bâtiment central. Malheureusement aujourd'hui il n'y a plus rien de tout cela, les tours se sont en grande partie effondrées, le bâtiment central n'est plus du tout en l'état, en son état d'origine je veux dire. On voit encore justement dans les tours les différents escaliers, les endroits où se trouvaient les marches. Je ne saurais pas vous expliquer comment tout cela était organisé.
Alors juste là, on a un trou qui est recouvert d'une grille. Je crois savoir qu'à un endroit se trouvait, pas les égouts, mais on va dire un dépotoir, un endroit où on pouvait jeter la nourriture, tout ce qui était usagé. Juste en face, là, on reconnaît une ancienne cheminée, je pense, juste là. Il fait frais. Il fait beaucoup plus frais ici. Alors malheureusement, j'ai pas de torche pour éclairer mon visage. Vous allez me voir un peu moins bien. Ah, il fait très très bon là. Et regardez. Regardez le plafond. Ce qui est tout simplement inquiétant, regardez l'état quand même de vétusté. On voit que cette poutre qui est juste là retient cette petite corniche là, d'où quand même la dangerosité de l'endroit. Là, de la même manière, il y a eu des renforts qui ont été faits au niveau de cette ouverture. On comprend que ce lieu pourrait s'écrouler comme ça d'un coup, peut-être. Là, on a, je pense, d'anciens boulets de canon. C'était plutôt conséquent, hein. Imaginez les canons qu'il fallait pour cracher ce genre de projectile. Donc voilà, une des tours, malheureusement effondrée, avec un reste d'escalier qui permettait vraisemblablement de grimper aux étages supérieurs. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc là, c'est fermé, je vais faire demi-tour. C'était peut-être tout simplement des toilettes, mais on appelait ça plutôt des latrines, il me semble, vu qu'il y a un trou juste là. Je crois qu'il y a des souterrains aussi qui partent de Blanquefort et qui rejoignent une autre commune. Des souterrains qui ont été découverts un peu par accident. Un camion qui transportait, je ne vais pas dire de bêtises, mais du sable ou des cailloux a traversé le sol. Et on a découvert qu'il s'était enfoncé dans ce qui était en fait des souterrains. On va visiter ce qui est visitable, hein. Il n'y a plus grand chose. Donc en dehors de cette première tour, cette deuxième, c'est incroyable. C'est somptueux, regardez. C'est somptueux. Magnifique, sublime. C'est dommage que je ne puisse pas grimper. On voit que il y a encore des espaces à l'intérieur des murs. Sans doute des escaliers ou des couloirs. L'épaisseur est juste incroyable. On doit avoir au moins 2 mètres d'épaisseur de mur. C'est tout simplement fou. Un endroit où on devait pouvoir faire du feu, peut-être. C'est superbe. Je me sens minuscule. Minuscule. C'est un vrai bonheur que d'être ici. Alors là, on a une porte fermée avec vraisemblablement du matériel. J'imagine que c'est la propriété de l'association qui restaure les lieux et qui ne souhaite sans doute pas qu'on rentre ici. Alors, je ne vais pas y rentrer. Oh. C'est majestueux, hein, quand même. Je suis vraiment au pied de ce... Je crois... Enfin, ça doit faire au moins... Je vais pas dire de bêtises. Au moins 10 mètres, voire 12 ou 13 mètres de haut.
Faut imaginer que ce bloc, et bien entendu, était beaucoup plus grand. Formait un véritable espace de vie. Protégé par cette enceinte, les différentes tours qui sont tout autour. Accès strictement interdit. Eh bien, on va respecter ça. Prendre évidemment aucun risque. Oh là 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 là, regardez le plafond. C'est une voûte. C'est fou, complètement dingue. Je ne sais pas du tout à quoi servait cette pièce. Là, on a un autre escalier, mais de la même manière, je ne vais pas me risquer à l'emprunter. Il fait une fraîcheur incroyable. J'ai pas mon thermomètre, c'est pas grave. J'ai envie de dire qu'on est à peu près 30-32 degrés à l'extérieur et qu'à l'intérieur on doit être à 21-22. Il y a un air frais. Voilà pour les différentes tours qui formaient le bâtiment central. On appelait ça le donjon finalement. Donc là on a un autre bâtiment dont je ne connais pas forcément la vocation. Juste ici apparemment on voit qu'il y a du bois. C'était peut-être déjà le cas à l'époque. Donc voilà, un endroit où je ne vais pas pouvoir me risquer à entrer ni à escalader. Un petit espace défensif. On pouvait surveiller l'horizon et décocher quelques flèches en cas d'attaque. On descendra après. On va descendre tout de suite. Ça m'intrigue. Oh. Alors là, juste à droite, on a un tout petit espace, je ne sais pas si vous allez voir, dans lequel sont entreposés quelques boulets de canon. Je ne sais pas si vous les voyez, je crois pas si vous les voyez, regardez. On dirait presque un nid. On dirait un petit nid, mais en fait pas du tout. Ce sont donc des boulets de canon qui sont en très bel état. Je n'ose même pas imaginer le travail pour réussir à les tailler de la sorte. Attention à la toile d'araignée. Ah, mince, tant pis. Alors, je ne sais pas si je peux entrer. Je vais le faire. Ça a l'air en bel état. Wow. Alors ça, wow. En dehors de la fraîcheur incroyable ici, ça résonne. Je pense que c'était un espace défensif. J'imagine que c'est ici que peut-être vivaient les soldats. J'ai envie de penser ça, j'en sais rien. On a là une cheminée. En tout cas, ce qu'il en reste.
puis diverses guérites avec des meurtrières. C'est incroyable. J'imagine les tours de garde ici avec les soldats postés pendant des heures dans ces endroits. Et j'imagine le temps qu'il a fallu pour graver ça dans la pierre. LDHR. Je sais pas si c'est d'époque. En fait, on a une pièce. Conti 1830-1949. Ouais, on peut imaginer que le château a eu plusieurs propriétaires, plusieurs usages après la période médiévale. Forcément. Avant d'être aujourd'hui un monument historique. Donc voilà, une pièce centrale, voûtée, un peu enterrée finalement, extrêmement fraîche, très frais, très bon, qui distribue plusieurs petits couloirs. Qu'est-ce qu'on a là? Qui amène à des petites zones de défense. Je sais pas ce que c'est. Sans doute un endroit qui, selon moi, devait accueillir la garnison, les soldats, les gardes. C'est l'idée que je m'en fais. Allez, on va continuer la visite. Quitter la fraîcheur de cet endroit. Encore, petit espace de défense. En fait, ce qui reste de ce château, c'est pratiquement essentiellement ça. Ces espaces défensifs, finalement, les plus résistants. Le mur d'enceinte. Là, de la même manière, regardez, on peut imaginer que les soldats, les gardes étaient peut-être même allongés au sol avec leurs arcs. Pour décocher leurs flèches sur les assaillants, ou en tout cas au moins pour observer les horizons. Juste là, on a un autre nid. Encore des boulets de canon. Alors là, un escalier qui mène sur les remparts, mais je ne vais pas les emprunter. Il est entendu avec... que je ne me rende pas là. Par contre, ici, j'ai bien envie d'aller voir. Oui, voilà, il est entendu que je ne grimpe nulle part, que je ne prenne aucun risque. Étant seul, c'est extrêmement dangereux. Est-ce que je vais pouvoir descendre? Encore un espace de défense. Tout était vraiment fait pour ça. Et j'ai chaud, je ne pouvais pas imaginer à quel point. Waouh. On se rend bien compte de la portée, de la visibilité qu'on pouvait avoir depuis cet endroit qui pourtant n'est pas culminant. C'est incroyable. Donc là, il y a une autre maison.
en ruine elle aussi malheureusement. Ça, ce n'est pas d'époque évidemment. Ça doit servir aux travaux d'entretien et de restauration, j'imagine. Oh. Là, je suis en train de grimper à l'intérieur des remparts. Et je vous avoue que là, on a une vue imprenable sur l'horizon. En imaginant qu'il n'y avait pas, eh bien, tous ces arbres et qu'on avait de vastes étendues marécageuses, eh bien, on n'a aucun souci à comprendre l'intérêt défensif de ce château. Et à quel point il était peut-être difficile de prendre cette forteresse, en tout cas d'en approcher discrètement. Là, on a pratiquement fait le tour de ce qui reste de cette forteresse de Blanquefort. Là, j'ai la fraîcheur qui arrive sur moi, c'est bien agréable. J'ai l'impression d'être le roi du monde là pour le coup. Seul ici, en haut de cette petite tour sur laquelle je me trouve actuellement. Regardez, je suis là-dessus tout simplement. Et je domine littéralement l'horizon. Incroyable. Alors, le but de mon enquête dans cette forteresse de Blanquefort va être tout simplement d'essayer de réveiller un peu ces vieilles pierres, réveiller ces murs. C'est peut-être un peu prétentieux d'imaginer pouvoir y arriver, mais je vais essayer. Je ne sais pas, peut-être d'obtenir des voix, des signes qui me laisserait penser que, non pas que le lieu est tenté, mais qu'il est possible dans un endroit comme celui-ci, chargé d'histoire, un peu hors du temps, hors de notre quotidien, de notre humanité, eh bien, il puisse encore y avoir des choses, des résidus du passé, notamment eh bien, des guerres qui ont eu lieu là, des batailles. Il faut savoir que il n'y a pas vraiment de légende de hantise associée à ce château. Il y en a une toutefois, je vous avais parlé tout à l'heure de Blanquefort, le Fort Blanc. Le nom de Blanquefort et de cette forteresse, une légende, mais ça reste vraiment une légende, dit que une dame blanche aurait donné son nom à ce fort, d'où le nom de Blanquefort, le fort de Blanche. Voilà, encore une blanche, encore une dame blanche du Moyen-Âge. Voilà, je crois que tous les châteaux ont leur dame blanche. Donc difficile de prendre au sérieux cette légende, mais voilà, elle existe, je vous en parle. Je ne vais pas forcément invoquer, tenter de rentrer en contact avec une blanche ou une dame blanche, mais qui sait, peut-être que une noblesse fantomatique viendra me saluer pendant la soirée. Donc je vais attendre que la nuit tombe pour être le plus au calme possible. Vous entendez qu'on entend très peu de bruit, pas de voiture. Il y a toutefois un couloir aérien pas loin d'ici. On voit beaucoup d'avions passer. Je suis en pleine nature. Voilà, les animaux pourront éventuellement faire du bruit. Mais cette nuit, je serai vraiment au calme pour mener une enquête au cœur du Moyen-Âge, au cœur de cette forteresse. La découverte de la forteresse de Blanquefort et de ses ruines est enthousiasmante.
Si rien d'étrange et de particulier ne s'est produit et n'est apparu lors de cette première visite, le cadre incroyable et l'atmosphère générale qui se dégage du lieu sont fascinants. Ces vestiges imposants, composés de pierres ancestrales, de zones à ciel ouvert, de tours perforées et de quelques espaces clos et confinés, forment un lieu d'enquête particulièrement intéressant, et c'est avec une certaine impatience que je vais attendre la nuit et la tranquillité qui l'accompagne pour démarrer réellement mon investigation. Je vais profiter de cette attente et du début de la soirée pour réaliser quelques prises de vue et quelques plans de la forteresse. Je vais notamment poster deux caméras fixes sur le site et les laisser filmer en direction des ruines pendant un long moment. En accélérant par la suite ces enregistrements, il sera possible d'observer la tombée rapide de la nuit sur la forteresse. Initialement, ces séquences vidéo devaient servir de transition vers la partie nocturne de l'enquête. Mais en visionnant la séquence filmée par la caméra postée au nord de la forteresse, je vais faire une étonnante découverte. Pendant les 30 premières minutes de l'enregistrement, tout est très calme. La végétation s'agite au gré du vent qui s'est levé, le soleil disparaît doucement derrière les remparts, et en dehors d'un chat qui va tranquillement traverser le champ de la caméra, il ne se passe absolument rien de particulier. Puis, la caméra va filmer, à trois reprises, quelque chose de surprenant. Quelque chose d'imperceptible que je vais toutefois remarquer grâce à l'accélération de la séquence vidéo. Pour que vous puissiez vous-même mieux l'observer, je vous propose justement, dans un premier temps, de visionner les trois séquences contenant les trois anomalies en vitesse rapide. Voici maintenant les trois mêmes scènes avec une simple augmentation de la luminosité et du contraste. Voici enfin les trois mêmes séquences avec les réglages vidéo précédents mais à vitesse normale. On distingue à plusieurs reprises d'étranges anomalies circulaires qui se déplacent lentement devant la caméra. On pourrait y voir une manifestation d'ordre paranormal, mais à première vue, nous sommes plutôt en présence d'un phénomène optique de diffraction de la lumière sur des particules de poussière en suspension dans l'air. C'est en tout cas l'hypothèse rationnelle qui permet généralement d'expliquer la présence de ces orbes qui apparaissent sur certaines photographies et que l'on peut donc a priori aussi observer sur cet enregistrement vidéo. Mais dans le cas présent, plusieurs paramètres ne collent pas totalement avec cette théorie. Première chose, pour que ce type d'anomalie apparaisse, il faut généralement un éclairage, un flash ou une torche qui vont en quelque sorte révéler le phénomène. Or, lors du tournage de cette séquence, aucun système d'éclairage n'est utilisé. La deuxième chose, qui met à mal la théorie de la particule de poussière, c'est tout simplement les conditions atmosphériques. La scène est tournée en plein air, et comme on peut le constater en observant l'environnement, il y a du vent. Or, ces trois orbes semblent évoluer sans subir l'influence de ce dernier. Comment des particules de poussière minuscules, fines et légères peuvent-elles se déplacer aussi lentement en suivant une trajectoire aussi ordonnée alors que la végétation à proximité s'agite sous l'effet du vent? Comment ces particules peuvent-elles se mouvoir dans l'air sans que les turbulences atmosphériques n'aient le moindre impact sur leur direction et leur vitesse? Pour toutes ces raisons, ces trois orbes, filmés par ma caméra, restent un mystère. Leur présence et leur déplacement sont étonnants, et à l'heure actuelle, je ne suis pas en mesure de pouvoir expliquer clairement ce que ma caméra a bien pu filmer ce soir-là. Il est 23h, il fait nuit, ça y est, ça fait à peu près une heure et demie que je me suis installé dans le noir total. Enfin, la nuit tombe depuis un moment et je suis resté assis un long moment à méditer, réfléchir dans l'enceinte de la forteresse, à regarder la nuit tomber et à comment dire,
m'imprégner un peu plus du lieu. C'est extrêmement calme, extrêmement paisible. Là, actuellement, je suis dans le châtelet. Je vais allumer ça. Je suis dans le châtelet d'entrée. Le bâtiment qui protège l'entrée de la forteresse à côté des grilles d'entrée hein, qui sont juste là. Et c'est là que j'ai installé mon petit matériel pour le moment. Voilà, j'ai pas encore installé quoi que ce soit dans le reste de l'édifice. Je vais voir un petit peu comment les choses s'articulent. J'ai toute la nuit, donc je vais prendre mon temps. Dans l'immédiat, ce que j'ai envie de faire, c'est une première visite nocturne, chose que je n'ai pas encore faite. Je vais éteindre là. Ah oui, alors, la clé est ici. Je suis enfermé à l'intérieur. Je me suis enfermé à l'intérieur. L'idée était surtout de protéger mon matériel. Donc, j'ai avec moi mon appareil photo et un melmetteur, un appareil qui permet de faire des mesures de champ électromagnétique et de température. On va faire une promenade nocturne à l'intérieur de la forteresse et on va vérifier la température, donc et vous le voyez, de 21 degrés, et on va vérifier s'il n'y aurait pas des champs électromagnétiques naturels ou pas d'ailleurs à l'intérieur du château. Alors, je vous cache pas que malgré on va être embêté par pas mal d'insectes. Je vais être embêté par pas mal d'insectes. Je vous cache pas que de nuit, l'ambiance est pour le coup extrêmement différente. Donc, il fait 20 degrés. Donc la nuit se rafraîchit tranquillement. Tant mieux, car j'ai eu très chaud, très très chaud tout à l'heure et tout le temps où j'ai amené mon matériel jusqu'ici. Donc là, j'ai eu le temps de me reposer, de changer de t-shirt, de manger, de me détendre et de profiter bien de la nuit qui tombe. Donc au loin, on voit tout un tas de lumières. J'attire tous les insectes du coin. En fait, on a des immeubles. Là, ça se calme un peu, c'est pour ça que je commence l'enquête. Il y avait encore beaucoup de bruit urbain, finalement, malgré le fait que le château soit un peu en retrait de la civilisation, on entend énormément le grondement des voitures et puis les gens qui habitent aux alentours. Mais là, c'est en train de se calmer. Donc l'idée de cette première promenade de nuit, bah, c'est de prendre un peu la température du lieu, de s'immerger déjà ensemble de nuit, et puis peut-être commencer à essayer d'interpeller les anciens habitants de ce château. Je vais aussi prendre des photos. Je vais les prendre sans flash. Je me fais attaquer par les moustiques. Ce qu'on voit là sur la photo précédente, c'est le déplacement d'un insecte. Ça va être très difficile d'évoluer au milieu de cette faune nocturne.
Oui, je vous le disais, de nuit, l'ambiance est très différente. Je me sens mieux depuis que je vous parle. Je vous avoue que lorsque je me suis équipé de mes caméras et que j'ai commencé à me dire que j'allais commencer cette enquête, je me suis senti soudainement inquiet. Donc on voit 0 milligauss, pas de champ électromagnétique particulier ici. La température est toujours de 20-21 degrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Il y a plusieurs méthodes pour, a priori, rentrer en interaction avec d'éventuelles entités. L'interpellation. Courtoise. Il y a aussi la provocation que j'ai tendance à ne pas pratiquer. Il y a ensuite le spiritisme. Eh bien, je pense qu'on va essayer d'utiliser un peu toutes ces techniques. En sachant que la provocation, je n'y tiens pas vraiment. Je m'appelle Guillaume. Je vais passer une partie de la nuit ici, dans la forteresse. C'est moi qui viens de cogner un morceau de bois. Il faut que je fasse gaffe de pas bouger une poutre qui tiendrait... Qui tiendra un pan de mur. Ce serait dommage de voir s'effondrer une partie de la forteresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ou est-ce que quelqu'un qui a vécu ici par le passé, qui est peut-être mort ici, en défendant ou en attaquant ce château ? Est-ce que quelqu'un pourrait me rejoindre ? J'ai des frissons. Forcément. L'interpellation est toujours un moment compliqué quand on commence comme ça à chercher à établir un contact. Rejoignez-moi ! Je demande l'hospitalité pour la nuit. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'accueillir ici, dans ce château de Blanquefort, Blancafortis? Il faut savoir que le prince noir, Édouard de Woodstock, si je dis pas de bêtises, le prince noir aurait séjourné à plusieurs reprises ici, dans ce château. C'est pas le seul, mais le prince noir avait une sacrée réputation. Donc, côté champ électromagnétique, pour le moment rien, je vais éviter de vous le mettre sous le nez constamment, mais je le garde dans la main. Les températures fluctuent entre 20 et 21 degrés, ça ne change pas. Je suis venu tenter d'établir un contact avec des gens qui auraient vécu ici. Il y a quelques siècles. Qui auraient gravi les marches de ces tours, vécu dans la maison centrale, dans ce donjon. Attaqué par les insectes, c'est extrêmement désagréable. Oh.
énorme papillon de nuit qui se jette sur moi. J'ai pas une peur panique des insectes, des frelons un petit peu, mais c'est jamais très agréable. Est-ce qu'un soldat, français ou anglais, ou plusieurs d'entre vous, saurait me rejoindre ici? Mon nom est Guillaume. Je ne vous veux aucun mal. De votre côté, si vous venez jusqu'à moi, si vous souhaitez discuter, partager un instant avec moi en ma compagnie, il faut que ce soit pacifique. Je suis là en paix. Mon but et mon objectif est juste d'avoir un témoignage de vous, quelque chose qui me permette de savoir que vous avez bien vécu là, que vous êtes peut-être encore là, qu'il y a peut-être quelque chose après la vie. Ce qui apparaît dans la partie basse du cliché que je viens de prendre est surprenant. Et c'est avec stupéfaction que je vais découvrir cette étonnante traînée blanche, vaporeuse et plus ou moins translucide qui s'étire sur toute la largeur de l'image. Déconcentré par un bruit qui retentit sur ma droite, mon attention est malheureusement détournée de l'écran de mon appareil photo et sur le moment, je ne vais pas voir cette anomalie. C'est bien plus tard, en analysant les différentes images réalisées lors de l'enquête, que je vais découvrir l'étrange traînée blanchâtre qui se trouve sur cette photo. Une anomalie d'autant plus intrigante qu'elle n'apparaît pas sur le cliché précédent, pris quelques secondes auparavant au même endroit et dans la même direction. Ma première réaction sera d'abord de penser que j'ai peut-être réussi à capturer quelque chose de paranormal et d'exceptionnel. Qu'une entité ou un esprit invisible à mes yeux est passé devant moi au moment où je prenais cette deuxième photo. Mais passé l'étonnement et l'excitation de cette découverte, je vais rapidement changer d'idée et me rendre compte que la présence de cette traînée blanche peut aussi avoir une explication tout à fait simple et rationnelle. En visionnant ce que mes caméras ont filmé à ce moment-là, je vais m'apercevoir qu'un petit insecte de couleur blanche vole autour de moi. On le distingue à plusieurs reprises, et il est fort probable que l'anomalie présente sur la photographie ne soit autre chose que la décomposition de son vol lors d'un rapide passage à quelques centimètres de l'objectif de mon appareil photo. Un phénomène que l'on peut d'ailleurs déjà observer sur un des clichés précédents au moment où un insecte traverse le champ de mon appareil photo. Le résultat de son passage laisse une traînée complète et permet de distinguer la décomposition étonnante de son vol. Avec cette autre photo, nous sommes très certainement en présence du même phénomène. Et s'il est impossible de l'affirmer, il est préférable de penser que cette hypothèse est la bonne et que l'anomalie blanchâtre visible sur cette photographie n'a finalement rien de paranormal. Je suis là en paix. Mon but et mon objectif est juste d'avoir un témoignage de vous, quelque chose qui me permette de savoir que vous avez bien vécu là, que vous êtes peut-être encore là, qu'il y a peut-être quelque chose après la vie. Alors ce qu'on entend, c'est un avion. Je vous avais dit qu'un couloir aérien passait juste au-dessus. Et bien, c'est ce qu'on est en train d'entendre. On va le laisser passer. Juste là. Cette pièce est incroyable.
la pièce juste en face de moi. On va essayer d'y aller un instant. Rester un petit peu. Donc, toujours 20 degrés. Pas de fluctuation électromagnétique. Je vais le poser là. Je vais activer la fonction pod. Pas difficile, il me manque une main. Je m'immergerai dans le noir un peu plus tard. J'appellerais ça une coupole, cette voûte au-dessus de ma tête est tout simplement dingue. Est-ce que vous êtes là? Quel est votre nom? Je suis là pour découvrir s'il y a encore quelqu'un ici dans cette forteresse, une ou plusieurs personnes, ou s'il reste encore une sorte de rémanence de la vie passée ici, des traces, quelque chose qui serait inscrit peut-être dans le lieu, dans la pierre, dans cet endroit et qui pourrait se manifester par des mots ou en apparaissant. Je vous invite à me rejoindre. Alors dans l'immédiat, je suis avec des torches. J'y vois relativement bien, je suis pas dans le noir total, donc je suis plutôt serein. Pas d'inquiétude particulière, je ressens pas grand chose de particulier, en tout cas rien d'agressif, tout simplement, mais rien d'agressif, ça c'est sûr. C'est ce qui m'inquiétait un peu. On est quand même dans un château, à vocation défensive. J'avais une petite appréhension, on va voir, peut-être qu'elle est fondée. Est-ce que vous pouvez me rejoindre dans cette partie de la forteresse ? Quel est votre nom ? Très très calme. Étrangement, dans cette pièce en particulier, on n'entend rien, pratiquement rien de l'extérieur. Pourtant, on a des ouvertures nombreuses, on a cette porte grande ouverte juste là, cette entrée. Et étrangement, je n'entends rien. J'ai l'impression d'être sous une cloche hermétique. Alors est-ce que c'est ce plafond comme ça en sphérique qui fait ça? J'en sais rien. C'est très surprenant. On va aller dans une autre zone. Donc dans l'immédiat, je déambule de nuit. Et puis après, je me poserai à différents endroits du château avec différents équipements pour tenter
d'entrer en contact avec d'éventuelles entités. Alors là, sur le coup, les photos que je prends, je peux pas forcément les analyser. Ce sera fait beaucoup mieux. Là, sur l'instant, je jette un œil, mais c'est... mon écran de retour est vraiment trop petit pour me permettre de faire une analyse en bonne et due forme. Ce sera fait, bien entendu, plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ohé! Du château! Montrez-vous! Je vous veux aucun mal! Je vais passer une partie de la nuit ici avec vous! Je m'appelle Guillaume! Et vous, comment vous appelez-vous? Aucune fluctuation électromagnétique. Température 20 degrés. Ça ne bouge pas. Je me fais attaquer par les bêtes. Ah. Alors là, c'est un des endroits que je redoute un peu, dans lequel il va bien falloir se rendre. Il n'y a plus personne ici pour garder le château? Où sont passés les soldats? Est-ce que vous êtes là encore? À défendre vos murs? Alors, je ne parle pas le vieux français, ni le vieil anglois ou anglais. Je vais m'exprimer en français moderne, courant, celui que je connais. Je ne vais pas m'improviser. Voilà, je ne vais pas improviser quoi que ce soit pour tenter de me faire comprendre autrement. Je pars dans l'idée que si on me comprend, tant mieux. Si on ne me comprend pas, tant pis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans ces remparts? Qui serait peut-être mort d'ailleurs en défendant ce château? Ou en l'attaquant? Est-ce que vous êtes là? Oui, donc je vous disais que je redoute un peu cet endroit-là parce que je le trouve glauque, sincèrement. Mais il faut bien y aller. On va essayer de ne pas me casser la figure dans les escaliers. Hop. Bonjour! Bonjour. Hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ça résonne, c'est terrible. Je m'appelle Guillaume. Est-ce qu'il y a des soldats ici qui défendent encore ce château? La résonance de l'endroit est très perturbante. J'ai posé mon mail au centre. Vous pouvez vous approcher de l'appareil qui est posé au sol, au milieu de cette pièce, au centre de cette pièce.
Si vous êtes là avec moi, il sonnera. Et ça me permettra de savoir que vous m'avez rejoint. Le bruit dans cet espace est extrêmement désagréable. Auditivement parlant, c'est pas terrible. Elle m'a semblé entendre un truc. Alors, est-ce que c'est un mouvement que j'ai fait avec la résonance, la réverbération qu'il y a ici, je sais pas. Est-ce que vous pouvez me parler ? Je vous écoute. Comment vous appelez-vous ? Est-ce que vous êtes anglais ? Who are you ? Come on, please. My name is Guillaume. Ouais, c'est un peu niveau sixième, on est d'accord. Mais bon, c'est déjà ça. Oui, je ne vous cache pas non plus que je suis un piètre anglophone. Pouvez-vous me rejoindre, s'il vous plaît, et vous présenter à moi ? Qui êtes-vous ? Faites un bruit, n'importe lequel, éventuellement. Un coup. Frappez le sol, frappez les murs. Comme ceci. Vous pouvez me parler. Je ne sais pas si je vous entendrai, mais mes appareils, eux, peuvent éventuellement vous entendre et capturer le son de votre voix. Pouvez-vous me rejoindre au coin du feu ? J'ai envie de savoir quelle était votre vie dans ce château. Est-ce que vous mangiez à votre faim ? Étiez-vous heureux ? Aviez-vous des amis ? Quelle était l'ambiance ici ? Est-ce qu'elle était bonne, joyeuse ? Ou au contraire, difficile, austère ? On dit que le Moyen-Âge, l'époque à laquelle vous viviez, était une époque difficile. Une époque rude. J'aimerais que vous m'en parliez. Quel est votre nom ? Essayez de me délivrer un message, n'importe lequel, quelque chose que vous auriez envie de me dire, de partager avec moi.
Je redoutais de venir ici, dans cette zone, dans cette pièce, cet espace de la forteresse, et finalement je m'y sens assez bien. J'ai un certain nombre d'enquêtes à mon actif. Pour le moment, je me sens plutôt serein par rapport à d'autres lieux où j'ai été de nuit et où, très rapidement, je me suis senti pas forcément à l'aise. Là, en l'occurrence, je me sens comme protégé. J'ai l'impression que je crains rien ici, en fait. C'est très étrange comme sensation. Alors, c'est peut-être lié au fait que je suis encore avec des torches et que je vois assez bien. J'imagine que dans le noir, ça doit être très différent. Et on va peut-être le tenter. On va s'immerger dans le noir. C'est parti. Et tout de suite, c'est très différent. Je vois pas devant moi. Je vais arrêter les photos, je vais surveiller l'écran infrarouge. Aucune réaction électromagnétique pour le moment sur le malmetteur. Qui reste à zéro. La température est un petit peu plus fraîche ici. Je vais m'immerger dans le noir. C'est tout de suite plus tendu. Hein. Tout de suite, c'est pas la même. Je vais garder une torche dans la main quand même, au cas où. Est-ce que vous pouvez me rejoindre dans cette pièce ? Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi ? Je suis là, en paix, pour vous rencontrer. Quel est votre nom ? Alors là, je vous cache pas que je me sens moins bien. Évidemment, je vois rien. En dehors de ce que l'écran de ma caméra, qui doit faire 5 cm sur 7, me propose de visionner en monochrome. Et pour le moment, je n'ai rien vu de particulier. What's your name? Hello, what's your name? Et la forteresse ayant appartenu aux Anglais à une époque, je vais essayer de parler les deux langues du mieux que je peux. L'anglais sera limité.
Faites un bruit, s'il vous plaît. J'imagine que vous avez passé de longues heures ici à surveiller qu'aucun attaquant ne venait prendre le château. Quel était votre roi ? Quel était son nom ? Alors, je viens de voir passer un truc, mais je pense que c'est un insecte. Oui. Ça, c'est un insecte. J'en sais rien. Approchez-vous de l'appareil qui émet une petite lumière au centre de la pièce, s'il vous plaît. Je serai heureux de rencontrer, de vous rencontrer, de pouvoir partager un instant avec vous. C'est ce que je vous propose de faire ce soir. Je pense que ça ne doit pas arriver souvent. Alors n'hésitez pas à me rejoindre ici. Je me déplace dans le noir complet. Je sais qu'il n'y a pas d'obstacle au sol, donc... Est-ce que vous êtes là, désormais ? J'ai de gros frissons, là, pour le coup. Mais je sais pas pourquoi. Il y a des petits courants d'air, mais je pense que ça vient du fait que la nuit tombe et que je suis en plein milieu de la pièce. Il y a des ouvertures de partout. Aucune fluctuation électromagnétique pour le moment, toujours. Bon, écoutez, je vais aller... On va finir notre petit tour. Et puis je vais... Ensuite, je pense qu'on va revenir s'installer ici. J'avais le sentiment que cet endroit serait plus à même d'offrir des résultats. Je me trompe peut-être. Je me serais bien installé là en fait, mais... Je me bouge parce que je sais pas ce que je viens d'entendre. J'ai envie de penser que ça vient de moi, j'en sais rien du tout. Ou un animal à l'extérieur. Je quitte la salle en affichant un calme et une sérénité apparente. Intérieurement, c'est une autre histoire. Depuis quelques minutes, je me sens oppressé, mal à l'aise. Et j'ai le sentiment de ne pas être seul. Dans cet endroit. Un trouble qui me pousse dans un premier temps à rallumer mes lampes, puis à rejoindre l'extérieur. Il est tout à fait possible que l'inquiétude et la crainte qui m'ont envahi soient irrationnelles, et que le fait d'être tout simplement immergé dans l'obscurité dans un tel lieu ait eu un impact sur mon état psychique et psychologique.
Si de ce fait, mes ressentis ne peuvent pas être réellement pris en compte, le son que j'ai perçu dans cette salle est quant à lui un élément probant et tangible qui a bel et bien retenti dans la pièce et qui est bel et bien enregistré par le micro de ma caméra. Je me serais bien installé là en fait, mais... Je me bouge parce que je sais pas ce que je viens d'entendre. J'ai envie de penser que ça vient de moi, j'en sais rien du tout. Ou un animal à l'extérieur. Le son que je viens d'entendre n'est donc pas un mirage. Mais l'acoustique de la salle perturbe mes sens. Et sur le moment, je ne suis pas en mesure d'en localiser la provenance et d'en comprendre la cause et la nature. J'ai entendu un murmure, et si l'on en croit ce que ma caméra a enregistré, ce son ressemble en effet à un chuchotement qui semble dire « Viens là ». J'évoque sur l'instant la possibilité que ce bruit soit le fruit d'un de mes mouvements, mais en revisionnant la scène, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Il reste encore la possibilité qu'il s'agisse du cri d'un animal provenant de l'extérieur. C'est une hypothèse tout à fait plausible, mais qu'il m'est impossible de vérifier. En conclusion, ce son reste un mystère. Soit il s'agit d'un bruit environnemental qui n'a rien d'étrange et qui ressemble à un murmure, soit nous sommes en présence d'une manifestation paranormale, et ce que je viens d'entendre et qui a été enregistré par ma caméra est un chuchotement dont l'origine et les mécanismes sont inexplicables. Paranormal ou pas, cet événement me met mal à l'aise. Je vais donc quitter cette salle. Je vais presque immédiatement me sentir beaucoup mieux et je vais poursuivre ma promenade nocturne au sein de la forteresse. Pendant près d'une demi-heure, je vais interpeller d'éventuelles entités. Je vais continuer de prendre des photos tout en surveillant ce que filme ma caméra et tout en contrôlant les températures et l'activité électromagnétique du site. Mais je ne serai témoin d'aucune fluctuation particulière, ni d'aucune manifestation étrange, et l'analyse des enregistrements ne révélera rien de particulier. Le château baigne dans une sérénité et un calme apaisant. Et je vais mettre un terme à ma déambulation et mener d'autres expériences. Ce petit tour de nuit est fait. J'en ferai peut-être d'autres. Dans l'immédiat, je pense que je vais m'installer quelque part pour faire une séance de spirit box et tenter d'établir un contact avec cet appareil-là. Je vais m'installer avec 3 pods, 2 caméras et une spirit box. Je ne sais pas encore où. Je vais décider de cela tout de suite et puis je reviens vers vous. Je vais m'installer juste là, donc au milieu dans cette zone. J'ai une caméra ici qui va surveiller l'espace. Je vais lancer l'enregistrement. Ici, j'ai installé un premier pod. Il est allumé. Il y en a un autre juste là et un troisième juste ici. 3 capteurs de champ électromagnétique. Je vais garder la caméra qui est là, pas trop loin. Comme ça, je peux m'en saisir s'il y a la moindre réaction. Je vais m'installer ici. J'ai l'appareil photo. Que je vais garder allumé. Et la spirit box.
C'est parti, séance de Spirit Box. Je vais la laisser tourner une première fois pour vérifier qu'il n'y a pas de captation radiophonique. Je suis pas tranquille, hein. Je vous le cache pas. Allez. Bonjour, je me suis déjà présenté à plusieurs reprises depuis que je suis ici, dans l'enceinte de cette forteresse. Au cas où vous ne m'auriez pas entendu, je m'appelle Guillaume. Je suis ici pour tenter d'établir un contact avec des personnes qui auraient peut-être vécu, combattu, il y a plusieurs siècles, ici, au sein de ce château. Peut-être êtes-vous français ou anglais. Peut-être vous êtes-vous battu pour ces terres de Guyenne. Il vient d'avoir une voix. Il vient d'avoir une voix. Bonjour, je vous ai entendu à travers ma radio. Vous pouvez aussi vous approcher des différents appareils qui m'entourent. Ils ne sont pas dangereux, ils s'activent juste quand vous passez à côté. Quel est votre nom ? Il m'a semblé entendre une voix, peut-être est-ce la vôtre ? Vous voulez bien répondre à mes questions. Qui est très problématique avec la Spirit Box, c'est qu'elle fait un tel brouhaha qu'elle couvre et j'ai pas rêvé. J'entends des petits bruits. Principalement dans la pièce derrière moi.
Donc j'avais pas rêvé. J'ai entendu des petits coups dans cette c'est pas une pièce, mais dans cette si, dans cette pièce. J'étais en train de dire qu'il y avait peut-être une chauve-souris à l'intérieur ou... Je sais pas si la caméra l'aura enregistré, ça faisait des petits tacs. Tac, tac, tac. J'ai entendu trois, quatre bruits ici, des petits coups. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ces sons ? Si c'est le cas, ben c'est très bien. Vous pouvez continuer. Ces bruits que j'ai entendus, et qui ressemblaient aux sons que produiraient de petits cailloux qui s'entrechoquent, ont cessé de retentir. Et je ne vais rien voir, ni rien trouver qui me permette d'en expliquer l'origine. Il est toutefois fort probable qu'un animal, ou que l'effritement naturel des murs, en soit la cause. Je vais donc reprendre ma séance de Spirit Box, et chercher à approfondir le contact que j'ai peut-être réussi à mettre en place précédemment. Une voix masculine semblait avoir répondu à mon appel, et je vais tenter d'en savoir un peu plus. Mais la radio va scanner les fréquences sans donner le moindre résultat. Et malgré mes nombreuses interpellations, je n'entendrai pas la moindre voix, ni le moindre son. Au bout d'une vingtaine de minutes, je vais avoir le sentiment soudain d'entendre et de voir des choses autour de moi. Et une fois encore, je vais devoir subitement mettre un terme à cette session. Je suis un peu paralysé là pour le coup parce que je sais pas ce qui s'est passé. Il me semble bien. J'arrête la Spirit Box, faut que j'aille voir. Je vous emmène. Je vais pas rester assis plus longtemps comme ça, sans bouger.
Il m'a semblé voir quelque chose par là et j'ai entendu des coups partout. Enfin, là, ça s'active dans tous les sens. J'ai entendu des voix, j'ai vu une lumière. Alors, soit il y a quelqu'un. Attendez, il faut que je fixe correctement ma torche. Désolé pour le bazar que ça va faire. Alors, il y a eu un bruit juste derrière moi. Je vais vous dire une connerie, hein, je sais, mais j'ai l'impression que le château est en train de se réveiller. Est-ce que vous êtes là? Il y a quelqu'un? J'ai un gros sentiment de présence, je vous le dis. Hein. C'est complètement irrationnel, je le sais. Complètement, peut-être psychologique. Alors. Oui, donc en fait, j'ai vu quelque chose là, juste là, noir, qui m'a complètement bloqué pour le coup. Puis des bruits, un toc, enfin même pas un toc, un bruit assez lourd par là, derrière ce mur. Des petits tocs à nouveau là-bas et des voix très proches. Or, je vois pas comment on peut avoir. Je vais aller voir de l'autre côté. Je suis plein de frissons là pour le coup. Je vois pas comment j'aurais pu entendre aussi bien des voix venant de là en plus. Là, il y a des champs à perte de vue de ce côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il m'a semblé vous entendre. Je suis limite tétanisé sur ma caméra, c'est atroce. Je sais pas pourquoi d'un coup je me sens aussi aussi vulnérable. Pourtant j'en ai vu d'autres, mais là je sais pas. J'espère que tous ces sons auront été enregistrés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La plupart des sons qui ont retenti dans la forteresse sont pratiquement inaudibles sur l'enregistrement. Et si l'on perçoit bien quelques bruits, la voix masculine que j'ai entendue est absolument imperceptible. De la même manière, parce que mes caméras n'étaient pas dirigées dans la bonne direction, la lumière et la silhouette sombre que j'ai cru apercevoir en train de se déplacer dans la pénombre ne sont pas filmées. Je viens de vivre un moment particulièrement étrange et intense, et je n'ai pas su en capturer les éléments les plus probants. Je ne suis donc pas en mesure d'analyser et de comprendre ce qui a bien pu se produire à ce moment-là dans la forteresse. Si aujourd'hui encore, je suis absolument convaincu d'avoir entendu quelque chose et qu'il s'agissait bel et bien d'une voix, je serais beaucoup moins affirmatif en ce qui concerne ce que j'ai cru voir. Immergé dans l'obscurité depuis un long moment, il est tout à fait possible que mes sens m'aient joué un tour et que j'ai été victime d'une sorte d'hallucination conditionnée par l'environnement nocturne qui m'entoure, l'état d'esprit dans lequel je me trouve et la fatigue visuelle qui en découle. La séance de Spirit Box que j'étais en train de mener et qui a duré près de 45 minutes semblant ne plus donner de résultats, je décide d'y mettre un terme.
et d'utiliser d'autres dispositifs en mettant en place un autre protocole d'enquête dans la salle de la tour d'où semblaient provenir plusieurs des bruits que j'ai précédemment entendus. Et c'est avec une certaine appréhension que je vais m'installer et poursuivre mon investigation. Alors, je me suis installé ici, hein, donc dans la salle voûtée, avec une planche Ouija, avec un verre à pied. Je vais tenter seul cette session, en sachant que c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Je l'ai toujours fait en groupe. Les rares fois où j'ai essayé seul, ça n'a pas marché. Je sais qu'en enquête, je n'ai jamais eu de résultat avec une planche Ouija de ce type. Mais récemment, j'ai eu l'occasion de l'essayer avec des amis, des copains. Et on a obtenu des résultats tout à fait surprenants. C'est ce qui me donne envie aujourd'hui d'essayer ça ici. Je ne suis pas un adepte du spiritisme, mais ça fait partie des outils de communication éventuels. Dans cette pièce, j'ai rajouté des pods. Bah, les trois pods, hein. Ces trois endroits-là. Juste ici, on a cet objet que vous avez là. C'est un détecteur de mouvement, vous allez voir, qui s'allume dès qu'il capte. Voilà, paf. Là, il vient de me capter, donc il s'éclaire. Il est en train de surveiller l'entrée de la pièce. Donc si quelque chose devait être capté, la lumière s'allumerait. De la même manière, ici, un térémine. Donc si quelque chose s'approche, voilà, on aura un son qui retentira. Et en face de moi, une caméra qui surveille la pièce. Je vais donc installer cette caméra ici, qui va filmer la Ouija et mes mains. Bien entendu, vous pourrez toujours penser... Ah oui, j'ai ce petit appareil qui est une pompe EMF maison. J'ai fabriqué ça moi-même. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça dégage un champ électromagnétique. Ça n'influera pas sur les pods qui sont dans la pièce. Par contre, ça peut nourrir en énergie d'éventuelles entités. Elles peuvent plus facilement se manifester grâce à ce genre d'appareil. Donc je l'allume et ça déclenche un champ électromagnétique. Je vais le poser ici. Voilà. Donc je vais m'installer juste là. Vous n'allez pas vraiment me voir, hein, mais c'est pas l'important. Je vais lancer. Alors j'ai mis beaucoup de lumière dans cette pièce. Je suis pas très à l'aise avec ça, hein. Donc j'y vais un peu en marche arrière. Je vais lancer aussi un enregistreur numérique dans l'espoir d'obtenir peut-être des voix. On ne sait jamais. Un peu ça par là. Nickel. Je pose l'enregistreur numérique juste ici. Voilà. L'enregistrement est lancé. Alors, j'ai pris un petit verre à pied car je pense que j'aurai beaucoup de mal à le déplacer sans que ce soit visible. Si j'appuie, forcément, ça va le faire basculer un petit peu. Vous verrez qu'il y a une poussée. Je vais simplement poser des doigts, tout doucement, sur le dessus, et attendre que quelque chose se passe, ou pas. Je vais d'abord prendre le temps de me détendre un peu. Donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est que la pièce est littéralement cernée. On a trois pods, un térémine, un détecteur de mouvement, deux caméras infrarouges et un enregistreur numérique.
Y a-t-il quelqu'un ici avec moi, actuellement, dans ce château de Blanquefort ? J'invite essentiellement de bonnes personnes avec de bonnes intentions à me rejoindre. Des personnes qui ont les mêmes intentions que moi, pacifiques, et qui veulent juste, l'espace d'un instant, établir un contact. Je cherche à rentrer en contact avec une ou au moins une personne, une entité qui aurait vécu ici par le passé, dans cette forteresse de Blanquefort. Est-ce que quelqu'un m'a rejoint ? Si c'est le cas, vous pouvez utiliser le verre qui est sous mes doigts pour me le faire savoir en vous dirigeant vers le oui. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici ? Esprit, es-tu là ? Si c'est le cas, déplace-toi vers le oui, s'il te plaît. Une bonne trentaine de minutes vont s'écouler, et malgré ma concentration, mon insistance et ma persévérance, il ne va strictement rien se produire. Le verre ne bouge absolument pas, et dans ce laps de temps, rien d'anormal ne sera révélé par le reste de mon équipement. Je suis moi-même extrêmement calme, immobile et serein, et l'appréhension que j'avais à utiliser seule cette planche Ouija a totalement disparu depuis un bon moment. Mais cette quiétude et ce silence dans lesquels je me trouve vont soudainement être perturbés par une série de petits événements. Ces derniers pourraient sembler insignifiants, mais leur survenue et leur nature contrastent avec la sérénité ambiante qui régnait jusqu'à présent dans la salle. Alors, j'ai un énorme frisson qui me parcourt le dos, là. Je vous le dis juste comme ça, pour que vous sachiez un petit peu l'état dans lequel je me trouve actuellement. Je suis serein, mais j'ai cette sensation qui vient de me parcourir l'échine. Le verre n'a pas bougé du tout, hein. Enfin, vous le constatez. Y a-t-il encore des habitants ici, dans les murs de cette forteresse ? Si c'est le cas, je vous demande de vous manifester. S'il vous plaît. Je suis venu pour ça. Alors, juste en face de moi, il vient d'y avoir un petit bruit qui semble venir de la gauche. Vous savez, il y a une porte où on ne peut pas aller parce qu'il y a une chaise.
Je viens d'entendre comme un petit bruit de gravats et une espèce de sifflement ou de souffle, quelque chose qui aurait fait... Je ne sais pas si c'est enregistré. Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre ? Si c'est le cas, merci. J'aimerais en avoir un peu davantage. Enfin, pouvez-vous vous manifester davantage, s'il vous plaît ? Approchez-vous d'un de mes appareils, par exemple. Leur activation m'indiquera que vous êtes bel et bien avec moi. Esprit, es-tu là ? Bon, j'arrête. Aucun résultat. Avec la spirit, avec la Ouija, le verre n'a pas bougé du tout. Je n'ai ressenti aucun mouvement, aucune vibration, rien. Peut-être que l'enregistreur numérique aura donné des résultats. Je vais peut-être continuer une séance de PVE avec. Je vais le laisser poser là pour le coup. Si vous m'entendez, vous pouvez répondre à mes questions. L'appareil qui se trouve là pourra éventuellement enregistrer vos voix ou votre voix. Qui êtes-vous ? Quel est votre prénom ou votre nom, ou les deux ? Comment vous appelez-vous ? Avez-vous vécu dans cette forteresse ? Dans ce château de Blanquefort. Vous êtes-vous battu ? Avez-vous fait la guerre ?
Avez-vous gagné ou perdu des batailles? Je viens d'entendre un bruit en face de moi. Est-ce que vous êtes à l'origine de ce son? Il vient d'y avoir un bruit. Comme un... Je sais pas. Quelque chose qui serait tombé. J'ai rien vu tomber. C'est un son d'ailleurs qui était assez similaire à celui qu'il y a eu précédemment, à peu près au même endroit, c'est-à-dire en face de moi, là, entre moi et la caméra qui est en face de moi. Pouvez-vous refaire ce bruit? Ou refaire ce que vous venez de faire et que je viens d'entendre? S'il vous plaît. À deux reprises. Je vais donc entendre plusieurs bruits retentir juste devant moi. Deux craquements, ou deux coups, plus ou moins perceptibles, qui seront suivis systématiquement d'un sifflement aigu plus ou moins audible. Alors, juste en face de moi, il vient d'y avoir un petit bruit. Je viens d'entendre un bruit. J'aurais évidemment envie d'associer ces bruits à une possible manifestation paranormale. Et j'aimerais croire qu'il s'agit d'un signe, ou d'une réponse à mes sollicitations. Mais après avoir réécouté à plusieurs reprises l'enregistrement, et après avoir envisagé d'autres possibilités, je vais me rendre compte que ces craquements et ces sifflements peuvent avoir une cause tout à fait rationnelle. Un animal pourrait tout à fait en être à l'origine. Je pense principalement à un serpent, et plus précisément à une couleuvre, qui aurait pu élire domicile dans la tour, et que ma présence aurait pu déranger. Les mouvements de l'animal dans les pierres seraient à l'origine des bruits que j'ai entendus, et les sifflements seraient le fruit de son mécontentement. Cette hypothèse pourrait d'ailleurs expliquer les nombreux autres sons qui ont retenti précédemment, et qui semblaient eux aussi provenir de l'intérieur de la tour. Mais cela reste une théorie, et je ne sais pas ce qui est réellement à l'origine de ces différents bruits. C'est dans un calme absolu que je vais poursuivre ma séance de PVE pendant quelques minutes avant de décider d'y mettre un terme. L'enregistrement audio réalisé dans cette tour ne révélera rien de particulier lors de son analyse, et je n'obtiendrai aucune réponse à aucune de mes nombreuses questions. Si vous avez répondu à mes questions, je vous en remercie. Merci beaucoup d'avoir peut-être tenté de me répondre. Voilà, je mets fin à la séance de Ouija, mais aussi de PVE. Donc, à réécouter, peut-être que j'ai des réponses, là ou sur les caméras aussi, c'est tout à fait envisageable. Bilan, aucune réaction électromagnétique, aucun déclenchement du thérémine,
et aucun déclenchement du détecteur de mouvement. Quelques sons, deux, mais rien de très fort et de très flagrant, en l'occurrence. Je vais ranger ce matériel et me rééquiper de mes caméras mobiles. On va se déplacer à nouveau dans le château. Et... non, c'est les ombres de mes mains. Et tenter autre chose. Voilà, je me suis rééquipé de mes caméras embarquées. J'ai perdu quelque chose. Hop. Wow. On va... j'éteins ça. Voilà. Je vais mettre juste en night shot tout de suite. Alors j'ai posté deux caméras comme vous le pouvez le voir. Une qui va surveiller le châtelet d'entrée. Une qui surveille le châtelet d'entrée. Et l'autre qui surveille la zone où j'étais assis tout à l'heure en train de faire de la spirit box. Donc qui va surveiller une partie du château. Pendant ce temps, j'ai en projet de retourner dans la pièce un peu souterraine qui devait certainement servir aux soldats, je pense. En tout cas, cette zone de défense un peu souterraine. Et puis on va se balader en vision infrarouge, ce que je n'ai pas encore fait réellement. Là, il est 2h du matin. Faut que je m'éclaire quand même un peu. On a une lune rousse qui vient d'apparaître là. Pas complète. Et qui n'était pas là tout à l'heure. Une demi-lune. Là, en l'occurrence, j'ai hâte de réécouter les enregistrements, essayer de voir si des choses n'ont pas été enregistrées, que ce soit des sons, des voix éventuelles, voire des phénomènes visibles. Alors, j'ai avec moi un peu de matériel. Dans mes poches, vous allez voir ça, on va s'installer en bas avec ce matériel. Alors, ne pas tomber. Les marches sont plutôt raides, je vais m'éclairer, sinon je crois que je risque de me faire mal. Hop, ça passe. J'ai traversé la cour de la forteresse sans encombre et sans rien remarquer de particulier. Je viens d'entrer dans la salle dans laquelle je compte poursuivre mon enquête et je n'ai absolument pas conscience de ce qui vient de se passer derrière moi.
Une de mes lampes, posée dans le châtelet d'entrée, vient de s'allumer puis de s'éteindre sans raison apparente. Un événement étonnant qui vient d'être capturé par la caméra statique dirigée vers l'entrée du château que je découvrirai bien plus tard lors de l'analyse des enregistrements. De tous mes appareils stockés dans le châtelet, le détecteur de mouvement est le seul système d'éclairage capable de s'allumer et de s'éteindre seul, et il est a priori évident que c'est lui qui a éclairé la salle pendant un instant. Cette théorie semble être la bonne, mais ce n'est pas si simple, car le déclenchement et le fonctionnement de cet appareil dépendent de plusieurs éléments. Il faut d'abord que quelque chose d'assez volumineux se soit déplacé de manière conséquente dans son champ de captation. Il faut ensuite que ce mouvement soit répété ou continu pendant un certain temps. En effet, si le détecteur capte un unique mouvement, il se déclenche et reste allumé pendant une dizaine de secondes seulement avant de s'éteindre. Dans le cas présent, le châtelet d'entrée reste éclairé pendant plus de 30 secondes, ce qui implique un mouvement répété ou continu dans le champ de captation du détecteur pendant au moins une vingtaine de secondes. Jusque-là, rien d'impossible, on peut très bien imaginer qu'un animal, voire un gros insecte, se serait déplacé pendant ce laps de temps dans le faisceau du détecteur et soit à l'origine de son déclenchement. Mais cette hypothèse, qui semble tout à fait plausible et qui aurait mes faveurs, ne tient pas complètement la route. En effet, le détecteur, qui est bel et bien posé dans le châtelet d'entrée au milieu du reste de mon équipement, n'est pas activé. Et je suis absolument certain d'avoir éteint l'appareil après l'avoir précédemment utilisé lors de la séance de Ouija et de PVE. D'ailleurs, au moment où je m'apprête à quitter le châtelet d'entrée, le détecteur, que l'on distingue juste derrière moi sur le sol de la salle, ne se déclenche à aucun moment alors que je bouge juste devant lui. Pour toutes ces raisons, ce qui vient de se produire reste pour moi un événement particulièrement troublant. On peut toutefois imaginer que le détecteur de mouvement ou qu'un autre de mes systèmes d'éclairage stocké dans la salle ait été victime d'un dysfonctionnement accidentel, rare et inhabituel. L'éclairage soudain et temporaire du châtelet d'entrée serait de ce fait le fruit d'un simple bug. Alors, j'ai avec moi un appareil que j'ai encore jamais utilisé. C'est ça, c'est un laser. Une grille laser que je vais projeter en face. L'idée, c'est que si les rayons générés par le laser sont traversés par quelque chose, eh bien, on devrait pouvoir le voir assez facilement. Je réussisse à le caler comme il faut. Je vais éteindre. Voilà. Caler ma grille laser en face. Vous voyez peut-être pas, je vais me repasser en vision normale. Voilà ce que j'ai sous les yeux. On va d'ailleurs rester comme ça. Voilà. Donc, si quelque chose venait à passer, soit on verrait une ombre, soit on verrait la réflexion, on verrait la réflexion des points laser sur ce qui passerait éventuellement devant nous. Je ne sais pas si j'obtiendrai. J'ai rarement vu de résultats très convaincants avec ce système-là. Mais ça fait un moment que j'ai envie d'essayer, c'est l'occasion. À côté de ça, j'ai ma caméra thermique dans la main. Je vais là aussi scanner la pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? Si c'est le cas,
Je vous invite à vous manifester. Ce que vous entendez, c'est ma caméra thermique qui se calibre. Pouvez-vous passer devant moi ? Traverser la pièce. Pas beaucoup de place pour évoluer. Je me cogne partout, c'est pas une très bonne idée de m'enfiler dans ces tout petits couloirs. Pouvez-vous venir ici ? S'il vous plaît. Je ne vois absolument rien de particulier. Il n'y a personne ici, en fait. J'étais convaincu que j'allais rencontrer quelqu'un, au moins une personne dans cette forteresse. Je crois que je me suis trompé. Ou alors je suis passé à côté de vos manifestations, de vos appels, de vos mots, de vos paroles. Je me sens plutôt bien, pas inquiet, je me sens que ma caméra,
pas aimé tout à l'heure, la rencontre avec le plafond du couloir. Étrangement, cette pièce dans laquelle je me trouve actuellement était peut-être celle qui me... C'est mes pieds. Qui m'inquiétait le plus. Et finalement... Finalement, je crois que c'est celle qui est la plus calme. J'étais beaucoup moins à l'aise tout à l'heure à l'endroit où j'ai fait de la spirit box, qui était pourtant un endroit en plein air, voire dans la pièce où j'ai fait une tentative avec une planche Ouija. Alors je sais pas si ce que j'entends est une mouche ou un insecte ou... une espèce de lamentation. Ça doit être un insecte. J'entends une espèce de... Mais ça doit être un insecte. Pouvez-vous vous manifester devant moi et traverser la pièce? Oh putain. Oh le flip. L'insecte m'a foncé dans l'oreille. C'est un moustique. Oh la vache. Un moment où je demande si l'entité peut éventuellement passer devant moi. Ah là là. Je suis à 97, ça va, je suis quand même relativement calme. Pouvez-vous vous mettre en face de moi, s'il vous plaît ? Dans les lumières, je pourrais vous voir. Est-ce qu'Edouard, le prince Edouard, est venu dans ce château? Est-ce que le prince Édouard serait là, par hasard? Celui qu'on surnomme le prince noir.
Je vais rester un long moment dans cette salle à surveiller les points laser projetés sur le mur tout en poursuivant mes multiples interpellations. Mais en dehors des quelques sons difficilement identifiables que je découvrirai lors de l'analyse des enregistrements, il ne se passera absolument rien de notable et de convaincant. Je vais donc quitter la pièce et arpenter une nouvelle fois les extérieurs dans l'espoir d'apercevoir ou de filmer quelque chose. Mais là encore, je ne verrai rien, ni ne filmerai rien de particulier ou d'étrange. Cela fait maintenant plusieurs heures que je mène l'enquête dans les murs de la forteresse, et il est pratiquement 3 heures du matin quand je rejoins le châtelet d'entrée. Je vais arrêter les caméras que j'avais mis en surveillance, et puis je pense que je vais remballer mon matériel. Le temps de faire ça, et je reviens vers vous pour faire peut-être un peu le point sur cette enquête dans cette forteresse. J'ai décidé de mettre un terme à l'enquête. Je suis tout simplement fatigué, épuisé même. Et un peu dubitatif en fait sur ce que j'ai vécu ici. Donc là, j'ai déjà remballé quasiment tout mon matos. Il faut que j'emmène tout ça jusqu'à la voiture. Il va falloir que je me méfie des sangliers, ce que j'ai compris. Donc la soirée n'est pas terminée, pour le coup. Il n'y a pas de risque que je me fasse attaquer. Je ne sais pas quoi penser de cette soirée d'enquête. Très déçu que la Ouija n'ait rien donné parce que j'ai pris sur moi pour me lancer là-dedans. C'est quelque chose que je n'aime pas vraiment faire. Et je comprends pas que... Enfin bon, après j'étais tout seul, mais je ne comprends pas que lors des enquêtes filmées, ça ne donne aucun résultat à chaque fois. Au-delà de l'enquête, j'ai été... Vraiment heureux de passer comme ça une grosse partie de la journée et de la nuit dans un lieu pareil, seul, c'est un vrai cadeau. Et je ne vous cache pas que ça m'a fait un bien fou de pouvoir vivre ça aujourd'hui. Allez. Je quitte la forteresse. Voilà, je quitte la forteresse. J'ai déjà ramené tout mon matériel jusqu'à ma voiture. J'ai l'impression d'avoir pas accompli complètement ma tâche. C'est assez désagréable comme sensation, mais je sens aussi qu'il faut que je quitte l'endroit. Ne serait-ce que parce que mon état de fatigue ne me permettrait pas de continuer sereinement. Bien, au revoir forteresse de Blanquefort. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui dans tes murs. Je vais quitter la forteresse de Blanquefort avec l'étrange sentiment de ne pas être allé au bout des choses, de ne pas avoir réussi à faire parler les lieux et à obtenir les résultats que j'espérais.
Une impression qui va légèrement s'atténuer lors de l'analyse des enregistrements audio et vidéo réalisés lors de cette enquête. Évidemment, la majeure partie des éléments étranges que je vais découvrir sont explicables. Si ces événements sont étonnants, la photo et sa traînée blanche, ou la lumière qui s'allume dans le châtelet d'entrée, n'ont pour moi rien de surnaturel. Quant aux bruits que je vais entendre ou aux ressentis que je vais avoir, ils peuvent eux aussi trouver une explication. Dans un environnement nocturne, usé et majoritairement ouvert sur l'extérieur, le moindre événement, même subtil, peut être mal interprété ou surinterprété. Je retiendrai donc seulement deux éléments qui, pour moi, sont particulièrement troublants. Il y a d'abord ces trois anomalies visuelles qui sont enregistrées par une de mes caméras qui filme la forteresse à la tombée de la nuit. Leur présence sur l'enregistrement a peut-être une explication logique et rationnelle, mais en ce qui me concerne, à l'heure actuelle, je ne la connais pas. L'autre élément tangible que je vais retenir, c'est ce son qui va retentir dans une des salles de la forteresse. Je vais l'entendre et il est enregistré. Son analyse révèle une voix plutôt masculine qui semble dire « Viens là ». Ces quelques résultats d'enquête me laissent penser que j'ai peut-être réussi à capturer quelque chose de l'ordre du paranormal. Mais ils ne me permettent pas de constater une véritable hantise. La forteresse de Blanquefort n'est pas connue pour être le théâtre d'une quelconque activité surnaturelle. Et mes conclusions, aujourd'hui, vont en ce sens. Toutefois, si l'édifice n'est pas hanté, cette vieille et belle dame a certainement encore énormément de choses à dire et à raconter. Faut-il encore savoir entendre et écouter ?